Cette vidéo est inspirée du livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Pour vivre dans un certain équilibre, on a besoin d'ordre et de chaos. Ce livre nous donne 12 règles pour mettre le plus d'ordre dans notre vie. L'ordre est nécessaire pour progresser, avancer et prendre de bonnes habitudes pour améliorer sa vie. Mais le chaos est tout autant nécessaire. Il permet un changement dans sa vie qui va nous emmener vers une direction différente. Le chaos, c'est donc une situation nouvelle. Par exemple, quand tu vas aller pour la première fois de ta vie à la salle. L'ordre, ça sera ensuite s'y rendre assez régulièrement. J'ai bientôt 20 ans et j'ai décidé de me donner 20 conseils pour une meilleure vie. On va donc scinder cette vidéo en deux parties. 10 conseils pour rajouter du chaos dans ma vie et 10 conseils pour mettre de l'ordre. On va donc commencer par le plus fun avec 10 conseils pour rajouter un peu de chaos. Le premier pourrait se résumer en un seul mot. Trébuche, trompe-toi. On réussit jamais du premier coup. C'est comme ça que tu vas apprendre, ça va te permettre de grandir plus vite. Si t'échoues rien, que tu te trompes pas, c'est-à-dire que tu prends aucun risque ou que t'es un génie et que tu réussis tout du premier coup de ta vie. Mais bon, commencer dès maintenant à échouer, à se planter, c'est bon signe. C'est que le processus est en cours et t'es sur le bon chemin pour réussir ce que tu veux faire dans ta vie. Deuxième règle, voyage. Profite-en tant que t'as encore de l'énergie. Si t'as encore du temps dans ta vie, que t'es pas dans un boulot à fond, bah en fait c'est l'occasion de voir le terrain de jeu à quoi il ressemble. On est sur Terre et il y a de la place, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de cultures, plein de... Bref, découvrir le monde quoi. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi faut voyager en fait. Et encore mieux, si t'es courageux, fais-le sans argent. Tu seras obligé de parler avec des dizaines de personnes tous les jours, ça te coûtera rien. Et en plus, tu créeras beaucoup plus de liens avec toutes les personnes qui vont te venir en aide. Donc c'est que bénef, même si ça peut être un peu de galère. Un voyage, c'est beaucoup d'inconnus, tout sauf de l'ordre. Et j'en profite pour faire la transition avec. Accorde moins d'importance à l'argent. Ce conseil rentre dans cette vidéo parce qu'il pourrait m'amener à une situation de chaos le plus total, qui serait techniquement vivre dehors. Mais j'ai un certain luxe dans ma vie, du pays où je suis né et plein d'autres facteurs. Et ça me permet de pouvoir faire plus ce qui me plaît. Quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent et assez rapidement. Et j'ai un peu changé de mentalité avec ça. Parce que de toute manière, je sais que j'en aurai. Genre, je m'en fais pas. Je pense qu'y accorder trop d'importance, ça pourrait juste me faire perdre du temps sur certains trucs. Par exemple, là, cet été, je vais me consacrer à YouTube. Je vais faire plein de vidéos. Bah, si je voulais vraiment gagner de l'argent, je serais obligé de travailler. Et je pourrais pas faire ces vidéos. Alors aujourd'hui, ça me rapporte rien. Mais demain... Bah, peut-être que c'est grâce à YouTube que je m'en sortirai. Et en plus, je fais quelque chose que j'aime 10 fois plus. Quatrième règle, accepte d'être différent. La société a besoin d'humains tous différents des uns des autres. Si on était tous pareils, ça ferait bien longtemps que les humains auraient disparu. Quand dans la tribu, il y a un mec qui découvre un champignon, un nouveau champignon que personne connaît, si tout le monde dit ouais, faut le manger et que c'est un champignon toxique, et ben on meurt tous. Alors que s'il y en a la moitié qui veulent le manger et l'autre moitié qui veulent pas, et ben ceux qui voudront le manger, eux vont mourir, les autres vont rester. Mais par contre, si c'est un super champignon qui donne des maximus, et ben c'est ceux qui voudront le manger, qui vont pouvoir se reproduire plus, qui vont pouvoir évoluer. Et en fait, on peut pas savoir si un choix est bon ou pas. Donc il faut que tous les individus aient leur point de vue et que chacun... expérimente de son côté pour obtenir les meilleurs humains possibles. Même s'il y aurait plein de choses à dire sur le fait d'être soi et de représenter, d'incarner ses valeurs, gardons ça à l'esprit. Cinquième règle, va parler aux gens dans la rue. Pour la plupart d'entre nous, ça demandera de sortir de sa zone de confort pour les plus introvertis. Mais ça vaut le coup parce que essayer de s'enlever cette peur d'aller parler aux inconnus, bah, c'est super utile dans plein de situations. En plus, les gens en général sont très gentils. Et tu vas pas te faire envoyer balader, même si c'est la peur que t'as aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui a besoin de s'entraîner pour y arriver, mais c'est un peu mon cas. Donc n'hésite pas à aller voir les gens, leur parler, comme Socrate. Voilà. Sixième règle, marche pieds nus. C'est super bizarre dit comme ça, je suis d'accord. Mais cette règle va me permettre d'illustrer le concept d'antifragilité. Contrairement à un verre, quand il tombe par terre, il va se casser. Un homme, un humain, est antifragile. Quand il va aller à la salle de muscu et qu'il va détruire ses fibres musculaires, elles vont se reconstruire encore plus fortes. Quand on marche pieds nus, notre peau sous nos pieds va se durcir, ça va faire de la corne, et on va donc pouvoir être plus résistant
à chaque fois qu'on marchera pieds nus. Au début, ça fera mal, mais peut-être dans un an, t'auras assez de cordes pour pouvoir marcher sur des braises sans rien sentir. Outre ce conseil un peu farfelu, l'idée d'antifragilité qu'il y a derrière peut s'appliquer pour plein de points de notre vie, et donc c'est à garder à l'esprit. Septième conseil, bivouac. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le bivouac ? Normalement, c'est arriver à un endroit, planter la tente après le coucher du soleil et repartir avant le lever du soleil. En gros, c'est juste planter la tente pour dormir. Pourquoi je me conseille à moi-même de faire ça ? Premièrement, tu te reconnectes avec la nature, c'est un super moment. Généralement, tu n'utilises pas trop d'écran, tu te déconnectes, ça fait trop du bien. Et puis, tu t'appropries un lieu pendant une nuit, c'est un peu chaotique. Mais tu passes toujours un super moment, généralement tu fais pas ça seul, donc c'est aussi un moment de partage. Et puis t'es vachement libre, tu vas où tu veux, t'as envie de t'arrêter à un endroit ou 200 mètres plus loin, tu peux, c'est une super expérience que je recommande à tous. Huitième conseil, consomme de la drogue. Ok, comme ça, ça fait aussi vachement peur. Mais premièrement, on en consomme tous et tous les jours, que ça soit de l'alcool, du café, du sucre. Peu importe, on consomme tous des choses à quoi on peut tomber addict. Mais dans cette règle, on peut aussi inscrire le cannabis, par exemple, dont de nombreux artistes ou entrepreneurs ont avoué consommer, comme Baudelaire, Shakespeare, Steve Jobs ou encore Salvador Dali. La justification de cette consommation serait donc, par exemple, chez les artistes, la créativité. Même certains médecins, mais certains scientifiques, comme je pense à Vaughan Bell, un médecin américain, qui parle d'hyperpriming. En fait, c'est un phénomène où on associe différentes idées grâce à une consommation de drogue qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Bon, ça peut être des idées un peu farfelues, mais ça peut permettre de voir la vie un peu sous un autre angle pendant une courte période. Et donc, à tester. J'ai rajouté cette règle parce que je trouvais ça très marrant de changer un peu du discours en général moralisateur des médecins. Et là, c'est un peu le contraire. J'ai lu quelques articles qui m'ont bien fait marrer. Un médecin, pareil, américain, qui conseillait de ne pas en consommer souvent, très rarement même. Mais quand on en consomme, d'en consommer beaucoup et de se mettre dans le noir et d'avoir tous les effets pour vraiment vivre l'expérience. Et bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que les répercussions négatives peuvent être folles si on tombe dans l'addiction. Donc c'est vraiment pas l'idée, mais à titre récréatif, créatif, pourquoi pas. Bref, je me suis mis aussi loin parce que j'ai un micro-cravate que je voulais tester. Et je vous laisse avec la 9e règle, je sais plus ce que c'est parce que j'ai tourné ça il y a 2 mois. Super. 9e règle, fais tout à fond. Ça rejoint un peu la première qui est trompe-toi, fais des erreurs. Parce que faire quelque chose à fond, c'est prendre le risque de faire quelque chose et de se planter de A à Z. Mais c'est pas grave parce que plus vite tu iras du point A au point B, et ben ensuite tu pourras aller plus rapidement du point B au point C. Si tu commences à passer par A', A seconde, tu perds du temps en fait tout simplement. Si tu veux te lancer sur YouTube, bah lance-toi, fais plein de vidéos, fais des vidéos nulles et en fait plus rapidement t'en fais et plus t'es à fond dedans, plus vite t'auras des bons résultats et des vidéos qualitatives. Ça marche vraiment pour plein d'exemples et la vie a un peu plus de fun en fait quand on fait les trucs à fond. Ouais, en fait je trouve que tu vis plus d'émotions quand tu fais les trucs à fond, que ça soit dans tes relations, ton travail, le sport que tu fais en fait. C'est bien de faire les choses pour s'amuser, mais se donner quand même à 300% dès que tu fais quelque chose, ça rajoute un truc. Pour cette 10e règle, je suis désolé mais j'ai pas trop le temps, faut que je retourne bosser. Du coup je vous laisse avec un ami qui vous expliquera ça tout aussi bien que moi. De ne pas écouter les bruits du monde, écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi.